Salut! Bienvenue pour la construction de la cabane à bois provisoire. Alors une cabane à bois, c'est très important pour pouvoir stocker son bois à l'extérieur. Déjà, ça prend beaucoup moins de place. Puis à l'intérieur d'une grange, ça prend 50-60% d'humidité, ce qui est pas bon pour le bois de chauffage du tout. Alors qu'à l'extérieur, en plein hiver, c'est pas plus de 20%. Alors il y a certaines personnes dans l'autonomie qui interdisent aux autres de faire des constructions provisoires. Alors ils promettent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, et puis au bout du compte, au bout des années, il n'y a rien du tout de fait, parce que faire quelque chose de définitif, c'est presque impossible à faire. Surtout qu'on peut dire qu'il n'y a jamais rien de définitif. Alors on a hâte de tergiverser et on plante le premier piquet ici. Ce sont des piquets avec des pointes métalliques. Ceux-là, ils viennent du Brico Zigoto. Enfin, je pense qu'il y a dans tous les magasins de bricolage de toute manière. Et ils font 90 mm par 90, soit 9 cm, 9 cm. Bon, cette cale martyre est pas très efficace. Premier pilier d'une nouvelle vie. Donc finalement ça fait environ 7 mètres de long avec l'assemblage que j'ai fait, et de large ça fera sans doute 1 m40 pour que ça concorde avec la taille des planches et la taille des tôles. Faut dire aussi que les pièges sélectifs marchent plutôt bien. J'aurais aimé avoir un petit angle comme ça et tailler les poteaux en biseau. Voilà, c'est ce petit biseau qui me pose problème. Comment le réaliser pour rester en règle? Petit calage provisoire de niveau. Faut bien se rendre compte qu'il y a une différence de niveau sur la planète et prévoir en conséquence. Bon, ça ira bien. Et voilà. Bon, il fallait pas faire comme ça, c'est trop fragile. La nuit porte conseil et j'ai oublié que j'avais de la tige filetée.
Donc je vais faire un peu différemment. Là, pour mettre les serre-joints, c'est très difficile. Il faut se faire aider ou faire autrement. Bien à enfiler toutes les rondelles et toutes les écrous avant de couper, sinon le pas de vis va être abîmé et on pourra plus rien visser. Et donc maintenant on peut couper au schtroumpf boulon, aussi appelé le déboulonneur. Ah, tac. On est bon. Ça va pas du tout. Bon, ça c'est quand même bien une erreur. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, ça ira pour ce soir. Le pire, c'est que c'est même de niveau. Donc faudra faire quelques petits renforts et puis mettre les tôles. C'est pas si mal pour quelque chose de provisoire. Voilà, une autre journée, pas forcément le lendemain. J'ai mis toutes mes tôles pour voir où ça s'enchevêtre. Et là, maintenant, je vais devoir tout redémonter, tout déposer pour pouvoir mettre des planches et tout visser. Et aujourd'hui c'est dimanche, donc je me permets de faire un peu de bruit. Voilà, c'est posé. Donc j'avais plus assez de planches d'épicéa, donc j'ai mis quelques planches de meulaise. C'est celles qui sont un petit peu orangées. C'est un sapin qui paye ses épines en hiver. Alors c'est plus solide que l'épicéa, un tout petit peu plus lourd, puis c'est résineux, mais peut-être pas plus que l'épicéa, en tout cas plus que le Douglas. Alors on n'en trouve pas au bricot, j'imagine, mais surtout chez le scieur. Tout est assemblé, du coup il suffit de remettre des petites vis sur les extrémités et éventuellement sur les longueurs, sur ce qui est possible d'aller, parce que je ne veux pas monter dessus, c'est trop fragile. Normalement ça rentre direct, sinon une petite goutte d'huile si la visseuse ne permet pas de passer à travers. Maintenant, on pourrait faire des renforts en coupant ça en biais. Mais j'ai plus assez de chutes de bois, donc je vais attendre d'en avoir pour éventuellement en faire. On pourrait mettre ça derrière, au milieu, en bas, même sur les côtés, pourquoi pas.
Mais voilà, ça ira bien comme ça. Voilà, c'est pas mal pour une cabane vite fait avec des tôles trouvées en solde dans la forêt. Bon, il suffira de couper ça en 33 cm et le stocker là, comme ça on aura pour le bois de chauffage cet hiver et aussi pour les barbecues. Et on pourra faire du rock and roll!